Départ du prix de Saint-Aignan-sur-Eau et course cible cross-country pour chevaux de 5 et 6 ans sur la distance de 4750 mètres. On va se diriger tout de suite vers la première haie du parcours avec Champy de Bercy qui s'est emparé du commandement avec Bibi Desbrières en seconde position, avec Derby Mag en troisième position, Krakow est quatrième pour l'instant, Rapide des Flots est à l'extérieur, il précède Charmira qui n'est pas loin au nez de la motte venant ensuite. C'est maintenant Cargill du quartier qui ferme la marche du peloton, se dirige vers la ligne opposée. Champy de Bercy toujours aux avant-postes avec un très léger avantage. On est toujours en seconde position avec Bibib Desbrières qui est là tout près également, avec Derby Mag qui est à l'extérieur, qui précède maintenant en troisième position Charmira qui n'est pas loin, avec Krakow qui est à l'extérieur, qui précède Rapide des Flots au nez de la motte venant ensuite, avec Cargill du quartier qui est toujours à l'arrière-garde. On a franchi le Volpaume, on se dirige vers la ligne opposée, toujours à peu près les mêmes. Champy de Bercy aux avant-postes, un très léger avantage actuellement avec Bibib Desbrières en seconde position. On est en troisième position avec Rapide des Flots qui a regagné beaucoup de terrain, avec Derby Mag qui est à l'extérieur, avec Krakow qui est plus côté corde, qui précède maintenant Charmira qui est dans leur sillage. Les concurrents se dirigent vers le passage du gué dans quelques instants, et toujours Champy de Bercy aux avant-postes, un très léger avantage avec maintenant Rapide des Flots qui vient lui prendre cet avantage au passage du gué, avec maintenant troisième position Derby Mag qui va tenter de venir à la hauteur des chevaux de tête qui précèdent également dans leur sillage actuellement Charmira. Les concurrents sont dans la ligne opposée, se dirigent vers le tournant et pas de changement notable en tête, avec Rapide des Flots qui maintient un petit avantage. Champy de Bercy est toujours en seconde position. On est en troisième position avec Derby Mag qui n'est pas loin, avec Bibi Desbrières qui précède Krakow. Krakow au nez de la motte venant ensuite, juste devant Charmira qui précède Cargill du quartier, alors qu'il y a une chute de Krakow dans le tournant. Les concurrents franchissent les passages de route et toujours à peu près les mêmes. Rapide des Flots aux avant-postes, un très léger avantage. On est toujours en seconde position avec Derby Mag, on est en troisième position avec Champy de Bercy, on est en quatrième position actuellement avec Bibi Desbrières qui précède au nez de la motte, qui n'est pas loin du tout, qui précède Charmira, Cargill du quartier, qui sont à peu près ensemble, alors qu'on se dirige vers le fence, toujours à peu près les mêmes. Rapide des Flots aux avant-postes avec un très léger avantage. On est toujours en seconde position actuellement avec Champy de Bercy, on est en troisième position avec Derby Mag qui est plus côté corde, avec Bibib Desbrières qui est à l'extérieur au nez de la motte venant ensuite, alors qu'on se dirige vers le fond de l'hippodrome. Pas de changement notable en tête, avec Rapide des Flots qui emmène le peloton, un très léger avantage actuellement, avec Champy de Bercy en seconde position, avec Derby Mag en troisième position actuellement. Bibib Desbrières est en quatrième position, alors qu'on va aborder la ligne droite des tribunes, la première difficulté, puis ce sera la banquette dans quelques instants. C'est toujours Rapide des Flots qui emmène le peloton, un très léger avantage. Derby Mag qui est passé en seconde position avec Champy de Bercy en troisième position côté corde, avec Bibib Desbrières qui est au centre actuellement au nez de la motte venant ensuite, alors que Champy de Bercy a fait une faute à la sortie de la banquette. Les concurrents vont se diriger une nouvelle fois vers le passage de route avec Rapide des Flots qui maintient un net avantage, avec Derby Mag en seconde position. On est en troisième position actuellement avec Bibib Desbrières, on est en quatrième position avec Champy de Bercy au nez de la motte, et là tout près également le précède Cargill du quartier. Grosse faute et chute de nez de la motte. Les concurrents sont dans le tournant et toujours à peu près les mêmes aux avant-postes, c'est-à-dire maintenant Rapide des Flots qui emmène le peloton avec Champy de Bercy, avec maintenant Bibi Desbrières qui précède Derby Mag. On est là tout près également avec Charmira, avec Cargill du quartier qui est plus côté corde. Les concurrents sont maintenant au début de la ligne opposée et c'est toujours Rapide des Flots qui est aux avant-postes. Un très léger avantage pour aborder le Volpaume. Bibi Desbrières en seconde position avec Champy de Bercy en troisième position, avec Derby Mag en quatrième position qui précède Cargill du quartier qui est plus côté corde. Charmira étant à l'extérieur, les concurrents vont bientôt prendre le centre de l'hippodrome. Et toujours Rapide des Flots aux avant-postes avec un très léger avantage. On est toujours en seconde position avec Bibib Desbrières qui est là tout près également. On tente de revenir avec également dans leur sillage. On retrouve maintenant Cargill du quartier. Les concurrents sont maintenant à la banquette et toujours Rapide des Flots aux avant-postes. Un très léger avantage. Grosse faute et chute de Champy de Bercy. Grosse faute et chute également de Desbrières
Derby Mag, les concurrents sont dans le tournant rapide des flots. Bibi de Brière dans cet ordre maintenant, elle précède également en troisième position Charmira avec Cargi du Quartier qui est en quatrième position. Les concurrents sont maintenant dans la diagonale, vont se diriger vers le fond de l'hippodrome avec toujours rapide des flots qui emmène le peloton, un très léger avantage. On est toujours en seconde position avec Bibi de Brière, on est en troisième position actuellement avec maintenant Charmira, on est en quatrième position avec Cargi du Quartier. Les concurrents sont dans le fond de l'hippodrome, vont bientôt aborder la ligne d'arrivée et c'est toujours rapide des flots qui est aux avant-postes, un très léger avantage. Bibi de Brière en seconde position avec également Charmira qui n'est pas loin, avec Cargi du Quartier qui est dans leur dos. Les concurrents sont à la sortie du tournant à bord de la ligne d'arrivée avec rapide des flots qui va entrer en tête. 3, 4, 5 bonnes longueurs d'avance maintenant. Bibi de Brière en seconde position avec Cargi du Quartier, avec Charmira qui vient de mieux en mieux. Les concurrents sont dans la dernière difficulté. Rapide des flots qui va la sauter en tête avec maintenant en seconde position. On retrouve Charmira avec Cargi du Quartier qui finit de mieux en mieux avec rapide des flots qui s'impose dans cette épreuve et qui précède maintenant en seconde position Charmira, Cargi du Quartier et avec Bibi de Brière en quatrième position.